Putain, mais je suis blanche comme un cul, quoi. Bon, en même temps, ça va pas s'arranger en rentrant dans l'hiver. Hein. Allez, une petite fitty. D'ailleurs, les gens, je voulais vous parler de fitty. Vous avez été super nombreuses à me demander ma saveur préférée. Le body detox, qui était initialement en saveur, on va dire, citronnée, ils l'ont sorti en super fruit. Et il y a la version fit berry. Énormément de gens adorent la saveur fit berry. Ben moi, bizarrement, je préfère la super fruit. Donc en fait, j'hésite entre la super fruit ou le body detox normal, parce que moi, j'adore la saveur citronnée. Et comme je bois que ce thé-là, on va dire, depuis un an et demi, c'est vrai que je suis contente, ben voilà, d'avoir trouvé le super fruit, qui honnêtement a un goût qui me plaît énormément. Et donc voilà, on va terminer le petit thé avant de commencer la vidéo. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une petite vidéo sur mes pires commentaires. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait et franchement, ils commencent même à me manquer. Aujourd'hui, c'est une grande vidéo. Hein. Donc pour l'occasion, j'ai décidé de mettre ma plus belle brassière décolletée et mon plus beau rouge à lèvres sur ma bouche de Mérou, voilà. Donc aujourd'hui, on va lire les commentaires les plus odieux, les plus horribles. Je dis ça, mais ceci dit, les plus dégueulasses, je les mettrai pas quand même parce que je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent. Alors là, j'avoue que j'attaque fort, j'ai déjà les yeux qui piquent. Putain, Sissi, t'es moche, t'as vu la mâchoire, on dirait un travelo brésilien à trois pénis. Alors attention, pas un pénis, trois pénis. Et puis ton maquillage, on dirait un tableau de Picasso, tu as le cou d'une girafe. Et ton haut, là, c'est quoi cette merde? En plus, sur Snap, tu fais la même chose, donc tu fermes ta grosse gueule et ta mâchoire carrée. Ouf, ça y est, je suis déjà rhabillée pour l'hiver. Tadam! Tu fais mal le gainage, il faut rentrer les fesses ici et non les sortir, tu veux toujours les montrer. Elle a pas compris que c'est pas de ma faute, mes fesses sont tellement énormes que j'arrive même plus à les cacher, quoi. Alors récemment, vous avez aussi adoré mon vlog en Thaïlande et d'ailleurs, ça en a beaucoup inspiré certains. Un vrai trans de Bangkok. Salut à tous, on est à Bangkok et on va faire des trucs locaux. Aujourd'hui, je change de sexe. Ouh, comme c'est drôle. Bonjour, je vais passer pour le gars à côté de la plaque, mais est-ce que tu es vraiment une femme transsexuelle ou pas? A ton avis, si j'ai des implants dans le cul, les seins, du botox dans les lèvres, que je pars en vacances en Thaïlande et que je fais de la muscu, c'est pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce que les gens sont longs à la détente? On comprend pourquoi tu mets toujours des filtres sur Snapchat. T'as un beau corps, mais la tête, dommage que tu ne puisses pas la transformer. Hashtag Travelo. Haha, hashtag Travelo. Mais pourquoi tu sors pas avec Thibaut? Vous vous ressemblez trop, vous iriez trop bien ensemble. Si elle sortait avec Thibaut, ça ferait un couple de PD. Effectivement, Thibaut, je commence à me poser des questions sur ton orientation sexuelle. Ah, alors celui-là il est bon. Elle a trop musclé la mâchoire à force de s'empiffrer de muesli soja Roundup. Et les lèvres, c'est à cause des smoothies à base d'ortie et chardon. Ça pique un peu la muqueuse et on finit avec une bouche de Mérou. Il y a des gens qui sont quand même vraiment perchés. Hein, parce que le type, je suis sûre, dans son analyse, là, en fait, il est sérieux, tu vois. Écoute, retourne à ton canapé avec ton sac de chips et laisse le muesli et la salle au bon. Tes seins, deux œufs pas bio sur un plat pas très propre. Tu utilises des produits pour hommes ou pour femmes? Non mais mec, Women's Best, Rose Fluo. Tellement conne que je suis tombée sur ta vidéo, mec. Alors attends, on se fait un petit check. Ok, j'arrête. Connasse. Fake. Ça me fait penser au jeu de Entre Midi 2 où t'en as un qui dit un mot et t'as l'autre qui doit dire l'autre. Et on y est. Alors, les haters arrêtent pas de bugger aussi sur ma mâchoire. Je sais pas pourquoi, mais visiblement, ça a l'air de les traumatiser. Mais j'avoue qu'il y en a qui me font quand même rire. La capote masquée. Ta tête, on dirait une brique de Capricorne. Alors là, pour le coup, je savais pas ce qui me faisait le plus rire. Le message en lui-même ou le pseudonyme. Alors, Akuma qui me dit que ce qui est bien avec ma mâchoire, c'est que j'ai plus besoin d'équerre. Carrément, mec, j'ai 18 au bac de maths avec option maths quand même. Faut bien que ça serve à quelque chose dans la vie. Alors après, les gens obsédés par mon petit côté transsexuel, les gens qui sont obsédés par ma mâchoire carrée, il y a aussi ceux qui sont obsédés par ma brassière. Alors, il y a Dogané qui me dit « Ça t'arrive jamais de te vêtir un pull, ça te dit quelque chose? C'est quoi cette tenue inutile? Je comprends pas pourquoi dans toutes ces vidéos, elle porte ce genre de tenue. Ok, on a compris qu'elle est musclée, mais faut pas abuser. » Alors Dogané, là, je me sens dans le devoir de refaire un petit peu ton éducation. Ceci est une brassière de sport, et cela s'appelle un soutien-gorge. Une brassière de sport n'est pas un soutien-gorge. Bon, puis après, t'as tout un tas de com de merde, voilà. Hugo Gaming, putain, mais nique ta mère, où est passée ton originalité, sale putain, tu te sens obligé de faire comme tout le monde, enculé, c'est pas possible, c'est quoi ce YouTube de merde? Alors lui, tu sais déjà qu'il a fait la mise à jour iOS, hein. La meuf, elle s'est crue sur BeFit, je me désabonne. Alors, les tutos maquillage, très cher, c'est plutôt par ici. Cette fille n'est tellement pas féminine, si elle avait des poils, ce serait un homme, et aussi une portugaise. C'est un problème à quoi elle se portugaise, Alissou? Puis alors après, il y a la catégorie des abonnés, une imagination absolument débordante. Sissi, elle a un boule à tomber par terre quand je la regarde, c'est tellement puissant que j'en ai le nez qui coule. Sissi, bras d'acier, énorme blague. J'espère que Thibaut et Sissi ne se marieront jamais parce que lorsque viendra le lancer de riz, ils vont tout bouffer, lol. Ouais, vive les mariés. Aujourd'hui, j'ai voulu aller renouveler mon abonnement annuel à ma salle de sport, mais c'est une boulangerie depuis le mois de janvier. Il a l'air d'y aller souvent, lui, hein, parce qu'on est bientôt décembre. Hein. Puis après, t'as les déterres, tu vois. Ceux à qui laisser un message rageux ne suffit pas. Non, non, genre, il faut qu'ils t'en laissent au moins
80. Là, je vous fais une petite sélection comme ça, vous voyez. Mais des fois, je te jure, tu vas dans tes spams, mais t'as genre au moins 40 messages du même mec. Alors, 3 manses, elle faisait vraiment partie de cette catégorie. Elle était archi déterre. Il y en avait, mais 150 000. Le noir sous tes ongles, c'est moche et pas féminin. Super les poils vers tes fesses. Déjà de 1, le maillot de bain, c'est vulgaire, mais tu as les pieds super sales. Tu connais l'hygiène. Enlève le noir sous tes pieds. Tu étais un homme avant d'être une femme, tu as un gros nez, une grosse mâchoire de mec. Si oui, le pauvre, quand il t'embrasse, ça doit faire bizarre. Burke, tu as du noir sous les ongles. C'est bien beau de se maquiller comme un pot de peinture quand on n'est pas hygiénique. Alors, supprimé. Quelle vulgarité, quelle vacuité, quelle connerie, gros lolo et cerveau petit pois. Et sinon, cette vidéo est nullissime. Ta bouche est vraiment mal refaite, c'est répugnant à l'eau quoi. Ah oui, oui, parce que j'avais oublié, mais il y a aussi la catégorie des gens qui sont persuadés que j'ai la bouche refaite. Flair de la Vega, oh my god, sa bouche a été trop mal refaite. Déjà, ça se voit grave et en plus, chacune de ses lèvres ressemble à une bite de chinois. Franchement, qui veut d'une meuf comme ça? Personne, je te rassure. Puis après, il y a aussi ceux qui souhaitent ta mort, donc c'est assez charmant quand tu tombes sur le commentaire. Va crever, sissi de merde, tu sais pas ce que c'est d'être bipolaire, donc va crever, sale pute, bouche à bite, tu mérites la peine de mort, P-A-I-N-E. Non, bon après, je vais pas faire que pleurnicher, parce qu'il y a quand même des gens qui m'aiment bien dans le lot. Je voulais savoir si vous arrivez de faire des prestations d'accompagnement escorting. Je vous trouve absolument magnifique et vous représentez pleinement le fantasme masculin de la fit girl par excellence. Avec le recul, j'aurais peut-être dû répondre, parce que s'il faut, c'est vachement bien payé, et du coup, j'aurais pu arrêter les partenariats sur ma chaîne. Antibio, bonjour, je m'appelle William, je réside à Arcachon, j'ai 32 ans, l'argent n'est pas nécessaire pour draguer les femmes, mettez plutôt des chemises de couleur vive et unie. Alors lui il a tout compris avec les meufs. Donc les mecs, on retient la leçon. Chemise de couleur vive et unie et trèfle à 3, 4 et 5 feuilles. Bon, mais heureusement qu'en vrai j'ai des abonnés en or pour me défendre. La prochaine fois, montre ton cul tout de suite, ça nous évitera de forcer sur les yeux sur la miniature. M16 qui répond, le but de la vidéo est en fesses bombées, elle va pas montrer le dessous de ses aisselles, tête d'empaffée. Merci M16. Tout ça pour vous dire les cocos que dans la vie on peut pas plaire à tout le monde, qu'on soit youtubeuse ou pas d'ailleurs. Alors vivez vos passions, investissez-vous dans vos projets, mais n'oubliez pas une chose les gens, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Ta-da ! Oh putain, merde, je me suis loupée. Ta-da ! Ouh ! C'est mieux comme ça ? On commence. C'est compliqué, hein. Ceci dit, j'aime bien, hein, aussi, hein. Ça ressemble à des seins, ça. Je crois que j'ai les seins qui louchent un peu, non ? Ah, j'en ai partout. Bon, attendez, faut pas que je me loupe parce que je pense que j'aurai le droit qu'à un essai. Ça, c'est du riz en fait. C'est du riz que j'achète en vrac et que je mets dans un pot. Ceux qui n'ont pas compris. Je vais pousser mon ordi avant en fait. Ouais, vive les mariés. Putain, il y a du riz partout. Oh non, j'en ai dans la brassière. Bon, c'était marrant. Non, c'était pas drôle en plus.